L'heure des éliminations a une nouvelle fois sonné dans les 50. En effet, dans l'épisode du 11 septembre 2023, 10 candidats se sont retrouvés en ballotage après une nouvelle épreuve dans l'arène. Ainsi, Giovanni, Greg Basso, Tata Fred, Roman, Cassandra, Gabriel, Marjolaine, Nicolas ainsi que Flo et Perrine ont malheureusement terminé sur le banc des nominés. Tous ont échoué au jeu du 1-2-3 soleil revisité par le lion. Alors qu'ils devaient ne plus bouger lorsque la musique s'arrêtait, tous les candidats cités plus haut n'ont pas réussi à rester figés. Un coup dur pour la team de Love Island France qui avait déjà perdu deux de ses membres quelques jours auparavant. À lire aussi supérieur à les 50, saison 2, c'est pas ce droit accordé à certains candidats pour une raison bien particulière dans l'épisode du 12 septembre 2023, les candidats victorieux ont dû voter pour sauver 6 de leurs camarades. On peut sauver 6 personnes sur 10, si est-il plus que la moitié, c'est rassuré Alex. En salle de cérémonie, les stratégies sont allées bon train. On est en alliance avec les Marseillais, je compte dessus. A par exemple assuré Cindy. De son côté, Fabrice lui, a avoué qu'il préférait voter à l'affect. Après 30 minutes de délibération, les candidats victorieux ont fait leur choix et sont restés dans l'attente des résultats. Les 50, qui sont les 4 nouveaux candidats éliminés? Pour les candidats sur le banc de touche, la pression est rapidement montée. La cérémonie si est-il vraiment la pire sensation du monde, a déclaré Roman. Finalement, le premier joueur à être sauvé avec 31 votes sur 34 est joueuse Frédéric. Elle est suivie de Roman avec 31 votes sur 34, puis de Nicolas avec 27 votes sur 34, de Greg Basso avec 22 votes sur 34, de Florian avec 20 votes sur 34. Il est plutôt absent et je ne comprends pas. Il y a peut-être une alliance qu'on n'aurait pas vu venir. C'est étonné Bastos. Avec seulement 12 votes sur 34, la joueuse Marjolaine a quitté l'aventure. Je ne veux à personne. La seule surprise si est Greg. Je ne pensais pas qu'il serait repêché, a-t-elle assuré. Avec 13 votes sur 34, Perrine a également été éliminée, suivie de Gabriel. Cassandra et Giovanni se sont retrouvés en face à face. Et finalement, les ex qui venaient se retrouver ont de nouveau été séparés puisque la jeune femme a réintégré le jeu. Même si on n'est plus ensemble, Cassandra comptait sur moi dans cette aventure. Ce n'est pas la fin de l'aventure mais de notre aventure, notre histoire. A confié Giovanni. Il reste à l'heure actuelle 40 joueurs. Just need